Today I show you 13 different ways to say yes in French, with examples, of course. This lesson comes from my book, The Complete French Expressions and Idiom Course. So you have more ways to say yes in the books, more examples. But for this video, I choose 13. So let's start. Of course, I couldn't start this lesson without saying yes. Which is, oui, in French. Tu as pensé à appeler le docteur? Oui, je l'ai appelé ce matin. Tu as pensé à appeler le docteur? Oui, je l'ai appelé ce matin. A more polite one, oui, c'est avec plaisir, with pleasure, meaning gladly. Est-ce que vous prendrez du vin avec votre plat? Instead of just answering yes, oui, you can say avec plaisir. Est-ce que vous prendrez du vin avec votre plat? Avec plaisir. This is more or of a formal one, we'll say. Definitely not formal, we have ben oui. Ben oui. <laughs> It's a type of yes. But it's more the teenager, yes, type. <laughs> Tu as bien aimé le nouveau film Ben oui, je te l'ai déjà dit. Tu as bien aimé le nouveau film Ben oui, je te l'ai déjà dit. Bien sûr. Bien sûr. Of course. Sure. Est-ce que tu peux me passer le sel Bien sûr. Est-ce que tu peux me passer le sel? Bien sûr. Ça marche. Ça marche means sure, basically. It's a familiar one as well. On va aller camper. Nous avons encore besoin d'un sac de couchage. Tu peux nous ramener le tien? Ça marche. Sure. Ça marche. Ça marche. Ça marche can also be replaced by ça roule. Ça roule. It rolls. Which means good, basically. Comment ça va en ce moment? Ça roule. Then we have d'accord. D'accord means alright, yes, I agree. On se voit bientôt. On se voit bientôt. D'accord. D'accord. The universal, okay. Okay. Tu veux venir avec moi faire les courses? Ok. Tu veux venir avec moi faire les courses? Okay. Okay. Ouais, ouais. It's a different from oui. It's the more casual one, the more familiar one, which could be translated to the English yeah. Instead of yes, yeah. Instead of oui, ouais tu as bien aimé le dessert oui, moi, mais ça aurait pu être meilleur. tu as bien aimé le dessert oui, moi, mais ça aurait pu être meilleur. then we have oui, oui, double yes, yes, yes. oui, oui. it just means yes, but as a way to confirm something tu as bien apporté ton chargeur comme je te l'ai demandé oui oui il est dans mon sac tu as bien apporté ton chargeur comme je te l'ai demandé oui oui il est dans mon sac désolé have... parfait perfect. est-ce que cela vous convient d'avoir vu sur mer parfait est-ce que cela vous convient d'avoir vu sur mer Perfect. Then we have C. I have a long video about C. I can always link it in the description box. It means yes, but after a negative question, so to answer a negative question in a positive way, you're going to use C. Ready? Tu n'as jamais vécu en Espagne? So the person thinks that you have never lived in Spain, but you did live in Spain. So you answer. Si, j'ai vécu en Espagne entre 2015 et 2017. Si, j'ai vécu en Espagne entre 2015 et 2017. Si. Another one that means gladly, we have volontiers. Est-ce que vous voulez du pain avec votre plat? Volontiers. Gladly. Est-ce que vous voulez du pain avec votre plat? Volontiers. That's it already. That was a very very quick lesson. Don't forget to check out my website for all the new blog posts that I post about. That I post about everything about expression, conjugation, vocabulary, grammar, and more. You have quite a lot to learn over there. And here on YouTube, I will see you on Monday for other ways to say no in French. À lundi.